Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour jouer à Gadget Racer. Et si ce nom ne vous parle pas, c'est évidemment, enfin évidemment, c'est tout simplement dû au fait que, si vous vous souvenez, nous avions joué à Road Trip sur PlayStation 2. Et en fait, c'est la nouvelle version de ce jeu, mais pas sous ce même nom en fait. C'est toujours développé par Takara, mais ça s'est rappelé du coup Gadget Racer. Donc c'est censé être la suite. Et pour le moment, vous avez vu qu'au niveau de l'introduction, ils ne sont pas super foulés, hein, c'est juste un... Ils ont juste dû enregistrer un run fait comme ça, et le mettre en introduction. Donc on va faire un nouveau jeu, puisqu'on n'a pas encore de... On n'a pas encore commencé de partie. Qu'est-ce qu'on veut mettre... Oui, s'il reste des blocs de libre, évidemment. On va mettre notre pseudo, évidemment. Voilà, hop. On va faire fin. Et donc là, on va choisir entre d'autres voitures. Alors, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de modèles différents. Alors, ce qui m'a surtout étonné, c'est d'avoir quand même la voiture, la 406 blanche, même si vous aurez connu un petit peu ce taxi. On a une petite Alfa Romeo. On a la Beetle, on a la Subaru Impreza. Alors, c'est une nouvelle version, hein, donc elle ressemble plus aux versions 2001. On a la version... on a la Mazda MX-5. On a la Mitsubishi Lancer, je pense que c'est une... Ouais, ça c'est une Evo 7. Ah non, c'est une Evo 7, ça. Ouais. On a une Nissan... c'est quoi ça? On a une Nissan... pas Micra, on dirait Almera, ou... Je sais plus trop, enfin c'est la version un peu... Un peu 4x4. On a droit à une... Je crois que c'est une Toyota, ça. Toyota en mode monospace. On a une Toyota Supra et puis c'est tout. Alors écoutez, je tâte vraiment de prendre la voiture de taxi, franchement. J'aime beaucoup les autres modèles, mais on va quand même commencer par ça. As-tu choisir cette auto? Oui, on va la prendre. Est-ce que ce montage est correct? Oui, bien sûr. Regarde complète, voilà. Donc je l'ai dit, on est sur GameCube. On a un mode, du coup, un joueur, plusieurs joueurs. On peut voir les options, on va voir ce qu'il y a de possible à faire dans ce jeu. Charger, contrôleur, ok, sans vibration, bon, pas grand chose d'exceptionnel. Les extras, bah apparemment, qu'est-ce que ça pourrait être? D'accord, ok. Donc en fait ici, on a donc des petits objectifs, j'ai l'impression, faire la course pour le meilleur temps de 0 à 400 mètres. Contrôle le volant de la batterie séparément. Arrêt rapide, faire la course pour stationner le plus vite, pénalité pour des pylônes tombés. Rivaliser pour le saut de distance le plus long. Alors attendez, on va quand même faire ça. On peut choisir en plus plusieurs joueurs, on peut jusqu'à 4. On va faire un joueur, hein, parce que je suis pas pour le moment. On va faire oui. Alors on sent quand même qu'il y a des petits défauts de traduction. Quelque chose me dit quand même qu'il y a des trucs... Je sais pas ce que c'est. Ah ça c'est la cartouche, la mémoire carte de la GameCube. Je sais pas trop ce que c'est. Bah écoutez, on va prendre notre véhicule, on va prendre par exemple lui. Et on va voir ce que ça donne. Alors, je ne sais pas comment on accélère pour le moment. On peut changer de vue, voilà. Ok, donc on accélère. Et je pense que le but c'est de faire le saut le plus haut. Ouais, ok, d'accord. 57 mètres. C'était assez ridicule, c'était assez rapide quand même, mais bon. 57 mètres. C'était pas trop épique, quand même. Hein. Alors on va pas faire rejouer. Enfin, rejouer, c'est le mode évidemment ralenti, hein, je précise. On va quand même regarder ce magnifique saut pour entamer cette vidéo. Voilà, hop, on prend l'élan, c'est parti. Wouah, quel saut magnifique! Alors, c'est drôle parce que dans le replay, on a l'impression que le saut a été beaucoup plus long qu'il n'a été en vrai. Donc là, on a battu le record, voilà, c'est super. 57 mètres, on va pas faire essayer à nouveau, on va faire fin. Et on va retourner au menu principal, on va pas survivre, on s'en fiche pour le moment. On a quoi d'autre par exemple? On a le course poulet. Faire la course pour le meilleur temps du départ à l'arrêt dans la zone de but. Oui, par exemple, c'est une traduction assez boiteuse, ça va pas dire grand chose. Alors du coup, on va mettre quoi? Course poulet. Bon, je vais quand même faire course poulet parce que je vois pas pourquoi ils disent le mot poulet, mais on va quand même tester ça. Après, on va passer au mode de jeu normal, évidemment. Hein. On va rester là-dessus. Allez, on va prendre une petite Alfa Romeo. Alors j'espère qu'il y a d'autres voitures disponibles parce que je sais que dans le Road Trip Adventure il y en avait quand même beaucoup. Et du coup ça serait quand même dommage qu'il n'y ait pas autant de voitures dans la deuxième version.
Ok, il fallait que je m'arrête au bord du précipice. En seconde 10, je sais pas si c'est super bien. Regardez, on a un circuit carrément derrière en mode circuit de petite voiture. Donc là, on va passer, on va faire fin. Et on a le meilleur temps. Bon, en même temps, c'est super facile à battre. Regardez les temps 0,30, 0,31, 0,32. Enfin, il faut vraiment être un manche pour pas y arriver quand même. Bon, je sais pas ce que ça donne si on réussit tous les défis. En tous les cas, bon, on a réussi, donc on va faire retour. On va donc aller dans le menu un seul joueur. Voilà, donc on a un mode course libre, conduire sans trafic et tester la route. On a un mode course au défi. Donc là, on a des prix qui sont accordés et des armes utilisables. Le mode Grand Prix. Donc là, en fait, c'est un mode avec 6 pistes. Donc on va faire 6 courses d'affilée pour un championnat. Et on pourra pas se regarder entre les courses. On peut acheter. Ah, ça, c'est flip, ça, c'est vraiment bien. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai aimé dans ce genre de jeu. C'est qu'on peut donc faire progresser les véhicules. Et acheter des moteurs, des pièces personnalisées pour la voiture, etc. On va voir ce qu'on a, tiens, d'ailleurs, dedans. Allez, on va aller dans le magasin. Et on va faire du coup acheter des pièces. Alors évidemment, j'ai pas d'argent, donc je pense que je pourrais me pouvoir acheter. Mais on a quand même pas mal de choses. Regardez, on a carrosserie, pneus, moteur, frein, volant, transmission, klaxon, roue, pièces de carrosserie. Pièces options, c'est quoi par exemple? Ah, c'est quoi? On peut mettre des skis. Ok. Alors j'ai 1000 de monnaie, donc je vais pas l'utiliser tout de suite, bien entendu. On peut choisir des roues. Alors roues filées, je sais pas ce que c'est. Surtout que si je sélectionne, j'ai un peu peur que ça s'achète. Ça. Attendez, on va juste voir. Roue filée 500. Je vois pas de différence, donc on va faire retour. Bon, j'ai l'impression que ça sert à grand chose. Transmission puissance 2000 par exemple. Normalement que j'ai la vitesse normalement qui devrait augmenter. Vous voyez la barre à droite. Avec le petit plus. Qui fait que bah, apparemment je vais un peu plus vite en ligne droite. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le volant. Volant rapide. Alors c'est un peu bizarre comme je vous accorderai quand même. Regardez ce qui se passe quand on met un volant rapide. Normalement un volant rapide ça permet je pense logiquement d'avoir une meilleure façon de tourner ou inversement tourner avec plus de précision. Mais là c'est bizarre, ça touche. Regardez ce que ça touche. Ça touche l'accélération. Bon pas trop. La transmission. Bon que ça touche la haute vitesse je veux bien, mais en général c'est plutôt censé augmenter l'accélération, puisqu'en général on augmente la boîte. Bon. Là apparemment c'est plutôt pour augmenter la vitesse. Les freins, là c'est bon, on est correct. Maniement, accélération. Ah mais attendez, non c'est bon, j'ai compris. C'est moi qui suis bête. En fait, c'est oui, j'ai décalé de une case. En fait, c'est pour regarder, c'est marqué en dessous et la barre au-dessus. Voilà. Donc, je dis n'importe quoi. M'écoutez pas. Il faut pas toujours m'écouter. Les freins mous. On a un moteur. On a un Blue Max qui permet d'augmenter à la fois la vitesse et l'accélération. Voilà. Les pneus, on peut choisir des pneus en roue, des pneus de neige, des pneus de sport. Donc ça, c'est pas mal. La carrosserie. Bah comme vous pouvez le voir, voilà, donc on a les voitures de base, mais j'ai l'impression bah, qu'on peut pas trop changer. Alors par contre, voilà, ce qui me fait dire qu'il va y avoir énormément de modèles, je vous explique pourquoi. Regardez, alors parce que j'exagère, hein, mais regardez, en bas il y a marqué Auto 97, 65, 60, 44. Est-ce qu'on n'aurait pas par hasard 97 voitures ou 100 châssis différents? Ça serait pas incohérent et franchement ça ferait vraiment plaisir parce que c'est vraiment ce qui est un plaisir dans ce jeu. On peut acheter des armes d'ailleurs, regardez, carabine, je sais pas à quoi ça sert mais on va pas les acheter pour le moment. On va garder nos sous et on va du coup bah, faire une course, on va essayer aussi de gagner un petit peu d'argent. Alors, au coursier, donc on l'a dit, course défi, grand prix, moteur, on va faire un... Des prix sont accordés à cette course, les armes sont permis, bon bah allez, course défi, c'est parti. Essayer d'une course... Bon bah apparemment on a que ça à faire pour le moment. Circuit mesure de gadget racer. Ouais les traductions. Alors là c'est très simple, c'est un ovale donc je pense que ça devrait aller. On peut personnaliser. En personnaliser je pense que c'est personnaliser la voiture et magasin c'est pour acheter. Donc on va directement commencer la course, ça fait quand même 11 minutes qu'on est là, on n'a même pas commencé une seule course. Et c'est parti avec une petite musique de fond, j'allais dire c'était très austère comme entrée en piste. Ah bah voilà, c'est bon, j'ai regardé. Ce qui me fait dire de toute façon qu'il y a énormément de bagnoles, c'est regarder les voitures autour de nous. Et il y a certaines voitures que l'on n'a même pas vues, que l'on n'a même pas vues dans les choix. Par exemple, allez, on a une petite... je sais plus comment ça s'appelle celle-là. Alors si j'appuie sur R1, je peux sauter. Ça c'est une petite nouveauté.
Si je fais ça, je peux drifter. Alors j'ai pas trop compris à quoi ça sert, mais bon, on peut le faire. Alors je fais n'importe quoi par contre. Je peux drifter. Je vois comment on utilise le boost. Ok, c'est avec le bouton Z. Et là, du coup, je gagne de la vitesse. Et regardez, voilà, je vous laisse deviner les modèles que l'on a à côté, parce que j'ai pas le nom de la Mazda, mais on a aussi des Trueno ou les Vin devant nous. Bon, ça va être cool, on va pouvoir personnaliser un petit peu nos véhicules. Je reprends un peu de boost, pour moi c'est le plus intéressant. Voilà. On a une petite musique, mais là, ma foi, sympathique. Alors c'est assez drôle le son des véhicules, je sais pas s'ils sont différents ou tous pareils. Et devant, je me demande si c'est pas une petite Lancer Evo 5 ou Evo 6. Enfin, en tout cas, de loin, c'est difficile à voir. Et j'ai l'impression que oui. Alors vous remarquez qu'on est en miles par heure. C'est-à-dire que bah, il faudra multiplier par 1,6 pour avoir les kilomètres-heure. Ah, là, par exemple, j'ai pris... je sais pas ce que c'est, ça. Ah, ça ralentit. Ok, en fait, je lui ai rajouté, j'ai l'impression, du poids. Et du coup, on l'a dépassé. Et c'était bien une Mitsubishi Lancer. Hein, si... Voilà, ça sert à rien. Je sais pas si je peux changer... Alors, je peux changer de vue, normalement. Voilà, vue un petit peu avancée, un peu reculée. C'est tout ce que j'ai. Il n'y a pas de vue cockpit, etc. Mais bon, vous en doutez, on est sur des petites voitures. Et là, vous voyez, auto 71, auto 33. J'ai l'impression qu'il n'y a pas les licences, pas les crédits. C'est pour ça que je vous dis que c'est une version 2. Mais j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose qui fait qu'ils n'ont pas vraiment tout ce qu'il faut par rapport à la version Road Trip Adventure. Mais bon. Pense qu'ils auraient à la limite pu mettre des noms, mais des noms qui sont un peu factices. Par exemple, j'ai pas une bêtise de 206, ils ont qu'à mettre Peugeot 206, voilà. Dédicace aux deux gens du Discord. Allez, c'est parti, on va faire rejouer non, on va faire fin. Et normalement, voilà, j'ai gagné de l'argent. Sur un son bien strident, bien horrible. On va pouvoir du coup acheter quelques petits trucs, ça va être cool. On va voir un petit peu. Et on a gardé un nouvel auto, on a gagné une petite Skyline. Ça fait plaisir. Bon, allez, on va se regarder de toute façon. Voilà. Et du coup, on a un nouveau circuit qui s'est débloqué, le parc Gadget Racer. Mais ce que je vous propose, c'est d'aller d'acheter quelques petites améliorations. On va en profiter pour améliorer un petit peu le véhicule. Surtout que je peux changer de châssis quand je veux, finalement. Donc en fait, on n'a pas besoin de racheter une voiture entièrement. Donc on va aller au magasin. Et en plus, on a débloqué des pièces. Vous pouvez voir qu'il y a un nouveau qui s'est affiché. Alors par contre, il dit pas où ça s'est amélioré. Mais bah, apparemment, ça s'est amélioré quand même. Alors j'ai bien envie de changer le moteur, mais c'est un petit peu ridicule dès le début parce qu'on gagnera pas grand chose. La carrosserie, ça sert à rien. On pourrait améliorer la transmission par exemple pour avoir plus de vitesse en ligne droite, ça vaut 2000. On va faire ça. Allez, c'est parti. Et voilà, donc maintenant on est déjà ruiné. Et on va les changer. Ce qui fait que du coup, on applique les réglages. Là, on va faire retour. Et on va donc passer à la seconde course. On va faire donc. Alors, Grand Prix, on le fera un petit peu à la fin. D'abord, on va faire des petites courses défis pour voir un petit peu ce que l'on débloque. Et ensuite, on fera un petit championnat de 6 courses pour voir un petit peu ce que ça donne. Parc Gadget Racer, c'est parti. Alors voilà, le circuit déjà est un petit peu plus difficile. Là, on va faire commencer la course directement. Alors, j'ai pas parlé évidemment des graphismes. Bon, les graphismes, c'est très très simpliste. Hein. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose à dire. On a un petit camion de pompier, regardez sur le côté. Vous avez vu que Bon, on a mis une Porsche au côté, on a une. Oh, il y a du beau monde quand même, hein. On a une Countach, on a. Ça, ça fait plaisir. Franchement, j'adore ce genre de jeu parce que, sous couvert, justement, que ce soit. On va essayer de passer par là, tiens. Sous couvert, que ce soit. Que ce soit un jeu de petite voiture, bah justement, ils peuvent s'amuser un petit peu avec les licences et du coup, ils nous font bah, pas mal de modèles différents sans avoir à payer, par exemple, comme un Gran Turismo, énormément d'argent pour les avoir. Et ce qui est drôle sur la Peugeot, c'est que vous avez vu quand même qu'il y a un petit peu le logo dessus. Donc c'est un petit peu des fois bizarre de savoir si c'est vraiment un problème de licence ou autre, mais bon. Voilà, j'ai fait n'importe quoi, j'ai même pas réussi à prendre les items qui sont sur moi. Et si je passe par là, je devrais aller plus vite plutôt que passer par la terre. Voilà, on va pas s'embêter. Alors j'ai pris de la vitesse, mais la Countach a l'air plus rapide devant hein, quand même. Hein. Petit Countach, mais c'est une Diablo. Ah, je passais sur un truc en huile, ce qui me fait glisser. Et ça dure longtemps. Hein. Ah, c'est bon. Voilà, ça va.
Donc vous aurez compris qu'il valait mieux passer en haut comme je l'ai fait au premier tour, parce que quand on passe au centre, eh ben, en fait on a de l'eau. Je n'avais pas forcément prévu. Ouais, donc les graphismes assez simplistes, assez sobres, mais ça va bien avec l'univers du jeu, c'est-à-dire que ça fait un petit peu légèrement cartoon. C'est mignon, c'est tout ce qu'on veut, donc y a pas. Ça me choque pas, les graphismes sont plutôt sympas. On va essayer de prendre quand même ça. Je ne sais même pas ce que j'ai lancé en fait. J'avais utilisé un item et je me demande si je l'ai pas annulé. Et pour le dépasser, ça va être compliqué. Allez, on va peut-être dans la ligne droite, 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 on va le doubler maintenant. Tour final. On a une batterie, je ne sais pas à quoi ça sert, mais je l'ai utilisé. On va passer par là, la première temps. Allez, ça, je sais comment l'utiliser par contre. On va l'utiliser au dernier moment. On va attendre d'avoir un petit peu de champ devant nous pour vraiment prendre de l'avance. Et vous voyez que quand même, la Lamborghini est ultra rapide hein, par rapport aux autres. On est tous les deux esselés. A savoir que les châssis ne font pas la performance, c'est-à-dire que si par exemple je mets un châssis de Lamborghini, un châssis de Ferrari, etc., ça ne va rien changer pour moi. Et voilà, on prend l'intérieur au dernier moment. On va prendre le petit boost. Voilà. Et qui nous permet de repasser devant. Donc voilà, si on change de châssis, peu importe, hein, ça va pas changer ma performance. Il faut juste que, faut vraiment que j'améliore mon véhicule à part pour pouvoir le faire. Et on a gagné un prix qui est un petit peu plus élevé, on est à 1500. Tout à l'heure vous avez vu on a gagné 1000, donc là on gagne un tout petit peu plus parce que bah, c'était censé être plus difficile. Et vous voyez le logo sur la voiture? Alors certes ça ressemble pas trop, enfin ça ressemble légèrement au logo Peugeot, mais on sent que ça a été pas forcément bien fait pour éviter les problèmes. Donc on va faire start, on va faire fin. Il y a une Alpine aussi. Une Alpine à 110. Et on a débloqué une Toyota Yaris ou une Vitz, pour si vous êtes japonais. Chambre des enfants. Ah bah alors j'ai envie de faire la chambre des enfants. Je vais juste voir si je peux pas améliorer un petit peu mon véhicule encore. On va être sûr de voir ce que l'on a un petit peu plus. Donc le magasin bien sûr. Allez, acheter pièces. Les pneus. Alors les pneus, j'ai bien envie d'avoir un petit peu plus de grip. Ça coûte combien? Le problème c'est que je peux pas en acheter, j'ai fait des pneus normaux. Prise, rue, en route, neige. On a un peu plus de grip avec ça. Alors peut-être que je vais pas le prendre maintenant, on va attendre un petit peu. Les freins pour moi ça sert à rien. Par contre j'ai envie d'augmenter mon accélération, ça c'est certain. Voilà, on va augmenter l'accélération. Ah je réduis la montée maintenant, je suis un peu bête. Bon c'est pas grave, on ira au garage pour ça. La transmission, bah je peux pas. Pièce de carrosserie. Allez, on va mettre des ailes. Pas assez de monnaie. Ah, c'était 3000. D'accord, ok. Pièce option. Les skis, ça sert à rien. Bon, on va aller au garage. On va aller dans personnaliser. Et ah, oh, on peut changer la couleur, regardez. Attendez. Ah, ça me fait plaisir. Il y a la carrosserie, hein. On peut changer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre en. Bon, peu importe, c'est juste pour s'amuser. Oh, attendez, c'est la couleur 1, couleur 2. Alors là, je sais déjà ce que je vais faire, mais c'est juste pour retester, on va faire ça, voilà. Carrosserie 2. Je pense que vous allez peut-être comprendre ce que je vais faire, mais ouais, c'est un peu compliqué, je vous l'accorde, ça va pas être évident. Je vais essayer de voir si je peux... Bon voilà, c'est pas super joli. Je voulais faire la version BTCC, mais finalement ça marche pas trop. On peut changer la couleur des roues. Bon, on va les mettre noirs, simplement, voilà. Bon, c'est pas forcément beau ce que j'ai fait, je vous l'accorde, il n'y a pas de... Tous les goûts sont nature, vous me direz, mais bon, c'est assez dégueulasse. J'ai limite envie de refaire la couleur 1, la couleur 2, pardon. Non, à la limite, j'aurais pu faire la version rouge, BTCC, quoi. Ou la version jaune. Attendez, on va tenter de faire autre chose. Alors, attendez, alors voilà, faire jaune. On va enlever le bleu parce que ce soit un jaune bien pétant. On va faire carrosserie 1. Et là, on va la mettre. Bon voilà, rouge et jaune. Écoutez, chacun verra ce que ça donne.
Sélectionner, donc ça c'est bon, la couleur est correcte, oui. Voilà. Donc je voulais mettre, on avait dit c'était le volant. Donc on va mettre le volant rapide, voilà. Les pièces sont correctes, oui. Les pièces de carrosserie, ben j'ai rien pour le moment, donc je ne peux pas personnaliser. Le montage est correct, on valide. Et on a l'encyclopédie, donc on peut voir un petit peu tout. On en sauvegarde. Alors vous risquez pas de voir beaucoup de... Enfin, me voir beaucoup changer de véhicule, c'est 2000 à chaque fois pour acheter un châssis, c'est un peu cher. Donc dans cette vidéo, j'espère quand même vous montrer quelques trucs, mais je pense qu'au niveau... Au niveau du contenu, ben, on pourra pas tout voir, puisqu'évidemment il y a énormément de choses à débloquer. On va faire la troisième course des filles, après on fera le mode Grand Prix. On va faire la chambre des enfants. Je me demande si c'est pas ce qu'on avait vu justement quand on a fait le petit défi où il fallait s'arrêter avant le précipice. On va commencer la course et on va voir. Parce que si vous faites gaffe, sur certains circuits, vous avez pu le voir peut-être dans l'introduction, il y a un petit sponsor qui évidemment factice complètement, qui... Ok, je suis censé aller où là? Ouh! Le petit saut. Regardez, j'aime bien la vue, cette vue là. Cette vue là est plutôt cool. Alors je suis bridé à 170 mètres par heure, donc en fait ça sert à rien. Je peux prendre un boost, je peux aller plus vite. Mais ça n'aura pas grand intérêt. Ouais, ils disent ralentir. Ah oui, ralentir parce que j'ai le... Voilà, là je suis censé ralentir, mais j'ai utilisé mon boost pour pouvoir... un petit peu éviter que ça soit trop impactant. Oh, la dernière GameCube sur la droite, j'avais pas fait gaffe. On a un crayon qui se balade sur la piste. Alors, on avait testé Revolt un petit peu avant. Alors, Revolt est un bon jeu, hein, je ne critique pas le jeu. Mais, enfin, en tout cas, là, je parle vraiment de manière personnelle. J'ai toujours trouvé cette série beaucoup, un peu mieux quand même que les Revolt. Peut-être parce qu'elle a le côté un peu plus. Pas réaliste, puisque le jeu n'est pas réaliste, mais. Bah, le fait d'avoir des vraies licences, d'avoir des vraies voitures. Façon de parler toujours, je trouve ça un petit peu plus engageant et les personnalisations sont quand même sympas. Bon, je vais reprendre mon boost, on sait jamais. Alors j'en profite pour regarder un petit peu le décor avec la petite prise électrique japonaise. On a un petit... Ah, j'ai pas vu aussi, on a un petit dirigeable pardon, voilà, qui se balade autour. Niveau détail, c'est quand même pas mal. Bon, c'est que des fois, on a vu par exemple dans le premier circuit, dans l'introduction, c'était un petit peu vide. Mais là, franchement, ça va, ils mettent un peu plus de décor, c'est assez cool. Mais on imagine que les prochains circuits seront un petit peu mieux. Ah, j'ai loupé le bon, de toute façon, je l'avais déjà, donc c'est pas trop grave. Alors apparemment, il y aurait peut-être un raccourci. Je vais vite mettre du boost, parce que sinon, j'aurai du mal. Et vous voyez, en dessous, il y a des items, donc je me pose la question s'il n'y a pas deux chemins, par exemple, qui nous permet d'aller plus vite, etc. Là, j'ai vraiment fait le chemin par défaut. On est au tour final, à la télévision, au fond. Et j'ai l'impression qu'il y a d'autres consoles dans la télévision, attendez. Alors, je me pose la question aussi, le jeu est sorti sur GameCube, mais si le jeu était sorti sur PlayStation 2, par exemple, est-ce qu'il ne serait pas... Est-ce qu'ils auraient mis une PS2 à la place? On a le lit au fond. J'adore les milieux miniatures comme ça. Si vous vous souvenez, on avait fait une vidéo sur Toy Story 2. C'est un petit peu... c'est un petit peu le même principe. Puisqu'on était un jouet. De mouchoir. Attends, je vais juste faire start. Non, il n'y a pas de console dans le truc. En plus, je fais n'importe quoi. Il n'y a pas de console spécifique dans le meuble. Et oui, donc voilà, les univers un petit peu miniatures comme ça, je trouve ça assez génial. Alors, bon, les textures sont un petit peu... Ah, je vais me faire doubler dans le dernier tour. Voilà, je vais mettre du poids. Je suis désolé, mon ami, mais j'ai pas envie de perdre au dernier moment. J'avais d'ailleurs, alors c'est encore une fois 30 secondes de ma life, mais j'avais prévu le jour où je change d'endroit, puisque ça va être le cas bientôt, dans quelques années, c'est d'utiliser justement dans la campagne et de trouver un petit espace
à l'ombre, peu importe, pas super grand, mais ramener du bloc de ciment et de faire un petit circuit pour voiture comme ça, un vrai circuit, alors pas un circuit comme vous voyez pour voiture radiocommandée grand, hein, mais pour les mini-Z, c'est-à-dire des modèles assez petits, qu'on peut utiliser par exemple chez soi si on a une petite pièce, mais en mode bah, bitumé, avec un vrai tracé, etc. Je pense que si on achetait du ciment, faisait un tracé, arbore, etc., ça pourrait être super bien, alors qu'on a mis une petite... Toyota Corolla, enfin Levin, pardon, ou GT86. Et voilà, ça c'est un projet qui me tient à cœur et ça reste un petit peu. Je vous en parle là parce que tout simplement ça c'est raccord avec le jeu, mais on peut aussi. Je pense qu'en vrai il y a moyen de faire aussi ce genre de choses. Alors, Grand Prix Esprit de l'école, et on va faire celui-là en dernier, et puis après on fera le mode Grand Prix. Parce que si ça se trouve, le mode Grand Prix, on n'aura pas un véhicule qui sera assez fort pour faire le championnat. Je viens de voir d'autres modèles encore qu'on n'avait pas vu. Ah, ça c'est le bruit de la sonnerie des... Oh, on a une ambulance japonaise. On a une vieille Nissan, j'ai l'impression. Ah, j'adore. Franchement, voilà pourquoi j'aime bien ce jeu. C'est parce que c'est Gran Turismo sans avoir. Enfin, sans avoir. En ayant le côté un peu plus amusant, un peu moins sérieux. Un grand tourisme. Il n'y a pas tout, parce que, par exemple, on fait pas de réglage, hein, voilà. Mais je sais pas, je trouve ça c'est cool. Alors là, on est dans un lycée japonais. J'utilise ça. Hop, hop. Alors je peux accumuler plusieurs items, je peux en avoir qu'un seul. Alors que là, on est dans le. Ben, on sort un petit peu du lycée, j'ai l'impression, ouais. Alors la batterie, je ne sais pas à quoi elle sert. Ah, d'accord, ok. La batterie, en fait, ça met une. Oui, c'est une flaque d'huile, en fait. C'est pas une batterie. Enfin, si, c'est une flaque d'huile, quoi. Le liquide de batterie. Le tour est assez court. Alors, le tour est assez court, tout simplement. Vous l'avez pourquoi? Parce que pour l'instant, on n'a pas débloqué de mode autre que le mode court, justement, en termes course spécifique. Mais on peut imaginer que. Alors, je vais passer par là, hein, je vais pas m'embêter. Voilà. On va gagner du temps. On peut imaginer qu'ensuite, c'est pas, on pourrait avoir. Des circuits un peu plus longs, peut-être encore plus intéressants. Alors là, je trouve, là par contre, je vais faire un petit peu le poser une barrière, je vais mettre ici. Et, je sais pas ce que c'est ça. J'ai trois barrières. Je vois pas quoi ça sert. Ah oui, en fait, une barrière, si je comprends bien, ça doit être un truc qui nous rend invincible. C'est-à-dire que si on nous envoie quelque chose. Et eh ben, il se passe rien. Concrètement, n'est pas impacté par l'item qui est utilisé par l'IA. J'ai l'impression d'en avoir trois. Ah non, je peux jeter aussi. Ok, bon, je sais pas trop ce que c'est. Il faudrait être derrière en fait pour savoir ce que ça a donné. Alors pour l'instant, hormis la petite course avec la Countach, c'est pas très difficile. Vraiment, bon, le maniement très très simple. Le maniement est correct, en plus, je sais pas. Bon, il y a une certaine latence dans la direction, c'est un petit peu dommage, mais on peut maîtriser le véhicule. J'utilise jamais le frein, sincèrement, à part ralentir un petit peu et pas accélérer, j'utilise jamais le frein. On met une batterie ici. On va la placer ici, voilà, là c'est l'endroit le pire à mettre. Et vous remarquez que l'IA fait un petit peu un rond-point hein, sur le tracé, il fait un petit peu n'importe quoi. Alors on va finir. Oui, le jeu est assez simple pour le moment. Alors je dis pas qu'après ça va pas être plus dur. Hein. Je pense que ça sera beaucoup plus difficile. Et puis je pense aussi que quand les voitures seront beaucoup plus rapides, eh ben, il va falloir avoir des temps de réaction un peu plus élevés aussi. Alors j'ai pas amélioré mon véhicule, ça a suffi. Donc on a gagné encore 2500. Le replay est toujours sympa. Mais qu'on va pas regarder tout de suite. Ok, on a passé le cap de la demi-heure, donc je vous propose de faire le mode championnat. On va juste améliorer un petit peu, alors qu'on a gagné une. Ouais, c'est une Toyota, mais c'est un peu aussi une Nexus IS220, pas 220, IS300 peut-être, ou GS300, je sais plus comment ça s'appelle. Et regardez le souci du tech quand même, dans le reflet, dans le replay, vous pouvez voir en dessous les petites vis sous la voiture. Sauvegarder les données, oui. Voilà. Les menus sont rapides, les temps de changement sont rapides. Je rappelle qu'on est sur GameCube, donc effectivement les temps d'accès avec le CD étaient quand même assez rapides par rapport à ceux de la PlayStation 2.
c'était quand même l'avantage aussi de GameCube. Allez, on a l'autoroute Gadget Racer. On va pas la faire, on va juste acheter quelque chose et on va après faire le mode championnat, le mode Grand Prix. On va aller quand même améliorer notre véhicule, un minimum. Regardez-moi qu'elle est belle cette voiture. Quelle horreur. On va prendre. Alors je vous propose d'acheter du coup. Alors j'hésitais tout à l'heure avec une transmission. Mais je ne peux pas en acheter en fait. Je ne peux pas tout acheter pour le moment. Klaxon chasse d'eau. Bon, ça c'est le côté un petit peu fun, mais je vais pas le faire. Non, j'ai envie d'acheter une pièce de carrosserie. J'ai envie d'acheter des ailes. J'ai envie de faire le gros kéké. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais on va acheter des ailes. Et voilà, on a un petit aileron à l'arrière. C'est tout mignon, c'est tout gentil. Et on aura. Je pense ce maniement un petit peu plus élevé. J'ai pas trop vu l'amélioration, mais bon. Déception. Planche de surf. Ça sert à rien. Et alors, ce qui est dommage, par contre, voilà, ça je vais vous le dire, c'est que on peut pas voir ce que ça donne avant d'avoir acheté. Ça c'est un petit peu dommage parce que par exemple, j'ai envie de tester un élément. Je dis bon, ça c'est beau, pas beau. Je regarde ce que ça donne. Je le mets après sur la voiture. Je confirme l'achat. Mais j'ai envie de le voir avant. Là, par exemple, ski ou planche de surf, on voit pas. Donc, je sais pas du tout. Si je peux le prendre. Vous voyez, les pièces sont correctes, mais je ne vois pas ce que j'ai acheté. Donc je vais faire un retour. On va voir au niveau des roues. Dish, je sais pas ce que c'est non plus, voilà, je peux peut-être améliorer mes roues, mais c'est donné que de l'apparence pour le moment. Le moteur. On a débloqué le Magnum, le Mat V2. Bon, on va prendre le Mat V2. Cache dès le début, hein. Pièces en correcte, oui. Je change maintenant, bien sûr. Un retour. Et il me reste 500. Bon, 500, je vais pas pouvoir acheter grand chose. Niveau pneus normaux, bon ben voilà, ça vaut 1000, donc je peux pas l'utiliser. Moteur, on l'a vu. Frein, c'est 1000. Volant, on a plus. Bon, c'est quelque chose à 500 qu'on pourrait acheter. Roue filée. Allez, c'est parti, on va l'acheter. Ça ne sert à rien. Je l'ai acheté. Ah oui, voilà, d'accord, ok. Donc c'est des jantes en fait. C'est des jantes à des rayons un peu plus prononcés. On va faire un retour. Regardez, voilà. Et on va du coup tenter le mode Grand Prix. Il y a 6 courses quand même à faire, hein, donc ça reste un petit peu. Coupe de bronze. Est-ce qu'on aura une voiture? Alors on va repasser sur le truc qu'on a déjà fait, ça c'est un petit peu dommage, mais bon, nombre de tours 3. On va voir si on a une voiture qui est au niveau ou s'il faut l'améliorer. On a même un camion poubelle à côté de nous. Je pense que si on perd face au camion poubelle, il y a un problème. Allez, c'est parti. Ouh, la petite Beetle. Un petit aileron. Attention, ils ont des ailerons. Ils ont tous des ailerons. Il y a une Testarossa, non? Je peux peut-être aller un petit peu vite. J'ai pas vu de vue arrière, hein. C'est pour ça que je vous dis. Ça, je sais pas à quoi ça sert. C'est ce truc-là, je ne vois pas l'intérêt. Ça fait peur de la vitesse, mais c'est tout ce que ça fait. Alors, je vais utiliser ma barrière. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Alors au niveau de la vitesse, je pense qu'au niveau de l'amélioration, on est bon par rapport à l'IA. Pour l'instant, ça devrait aller, en tout cas dans cette première course. Bon, finalement, avec un peu de chance, ça devrait le faire. Oui, je disais, on n'a pas de... Bon, ben voilà, je peux changer la vue et tout, mais j'ai pas de... Pas de vue arrière. C'est un petit peu dommage, à moins que ce soit... Ça, c'est pour freiner. Le petit klaxon. Voilà. Et le bouton carré qui n'a aucun intérêt. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ma barrière et je vais essayer de prendre un item pour aller plus vite. Alors le choix des bonus, donc ça c'est pas mal, ça permet de choisir ce que l'on a envie d'avoir si on roule dessus. Mais ça pose aussi un problème de... Comment dire... De... Normalement les items sont proportionnés, par exemple quand on joue à Mario, pour avoir des items bien plus forts quand on est dernier et juste de défense quand on est premier. Mais là par exemple... Je suis premier, ben je peux encore être encore plus premier puisque je vais pouvoir prendre des thèmes qui peuvent m'aider encore plus vite. Donc dans l'absolu, ça n'a pas trop, c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est ça que je regrette. Il n'y a pas ce côté un petit peu, on resserre les écarts grâce à certains items. Voilà, donc on a gagné. J'espère qu'on gagne de l'argent, ça serait bien. Oui, alors j'ai aussi une petite critique au niveau des textures. Oui, par contre, la texture du sol est très bien faite, il n'y a pas de problème. Mais on a certains décors, certains objets qui manquent cruellement de qualité graphique. Là encore, ce circuit, c'est pas trop visible. Mais quand vous faites la course, par exemple, dans l'école, c'est quand même assez flou au niveau des textures. Enfin, il y a des textures qui sont un petit peu pas baveuses, hein. Même pas baveuses, c'est qu'il n'y a pas de texture, en fait. On est parti pour la deuxième course.
J'aime ce moment de silence au début parce que je trouve ça à la limite épique quoi. C'est ultra austère mais je trouve ça génial. Alors on va mettre ça dès le début, voilà, pour embêter un petit peu. Voilà. Et le petit boost pour prendre de l'avance. Je rappelle, comme ce jeu s'adresse aux enfants, il est logique que niveau difficulté, ce ne soit pas non plus énorme. Donc effectivement, on gagne un peu tout facilement, mais bon, c'est comme ça, hein. Enfin, je veux dire, c'est... Rien ne dit qu'après, on va pas perdre dans la prochaine course. Hein. Normalement, si on a le niveau dans cette course, ça devrait aller pour les suivantes. Alors, je remarque un truc aussi, oui, on a un saut dans les deux sens, donc je pense qu'on peut aussi avoir le circuit en mode inversé. Alors ça me fait rire parce que par exemple on a un énorme tuyau qui ressort. C'est un jardin d'enfants, mais le coup du tuyau c'est un peu bizarre. Enfin bon, ça reste mon point de vue. Là par exemple les grilles ça sert à quoi? Enfin il y a des choses, des fois on se demande qu'est-ce que ça fait là, simplement. Alors normalement ma tâche a dû rester. Ah non elle est partie. Donc toi qu'il y a les prises pourtant. Voilà, par contre, je commence à être assez lent, je vais me faire attraper. On va du coup piéger cette partie-là, comme ça on est sûr qu'il ne nous rattrapera pas. Enfin, sûrement, mais en tout cas, on imagine qu'il ne nous rattrapera pas. Et d'ailleurs, il y a juste à prendre, parce qu'on reste sur la carte, il perd du temps hein, par rapport aux autres. Ah bon, c'est bon, il en reprend un coup. Du coup, il a dû prendre le petit boost, et il revient légèrement. Mais j'ai gardé un item quand même au cas où, à la fin. Alors s'il y a 6 courses, je pense que la dernière course ou l'avant-dernière en tout cas, sera une course que l'on n'a pas faite. Potentiellement on va découvrir un nouveau circuit. Voilà, c'est passé. Du coup, on marque 10 points. On va avoir le classement normalement du championnat, si je me trompe pas. On va faire start. Voilà, fin. Et du coup, on a 20 points. 12, 6, 4, 2. Donc en fait, si je comprends bien, on marque 10, 6, 3. 10, 6, 3, 2. D'accord. Donc c'est que les 5 premiers qui marquent des points, c'est pas beaucoup. Et du coup, on a gagné 2500. Bah, 1500, pardon, du coup, on a 1500 de monnaie et on a 20 points. Je pense qu'il y a moyen de se faire pas mal d'argent à la fin du championnat, surtout s'il y a un bénéfice, enfin un prix, un premier prix pour gagner le championnat. Et vous remarquez qu'on peut améliorer la voiture en plein championnat. Ça c'est quand même pas mal. Donc potentiellement si j'ai pas assez amélioré, en fin de championnat on risque d'avoir du mal. Bon, je pense que si on s'en réfère aux courses qu'on a fait avant, jusqu'à la 4ème, 5ème course, on n'a pas besoin de l'améliorer. On devrait s'en sortir quand même sans. Hop, je vais récupérer ça, même si je pense que je vais prendre le premier item dans la tronche, voilà, c'est bien ce que je pensais. On prend vite ça, pour aller plus vite, voilà. Alors le ralentir est quand même assez long, mine de rien. Allez, là j'ai pris le vibreur qui m'a un petit peu envoyé dans les choux. Là c'est une Testarossa quand même, non ouais, il me semble, c'est passé furtivement. En même temps, les Ferrari elles passent souvent furtivement dans la vraie vie, donc jusque là, rien d'extraordinaire. Et en plus, ils pètent tous les... Et j'ai même pas réussi à prendre le deuxième item, du coup c'est lui qui va en profiter. Ah, je sens la petite bataille avec la Ferrari devant nous. Ah c'est ça, c'est une Testarossa. Allez, on passe devant. Ouais, c'est une Testarossa, je crois. En tout cas, l'arrêt est assez typique. Du coup... ça doit être ça. Youhou. ça sert à rien mais j'adore. Enfin ça fait pas un peu de vitesse quand même donc on va pas le faire tout le temps. Mais j'aime bien. Allez, je vais lui mettre un petit peu d'huile avant le virage comme ça il devrait glisser. Si se l'est prise évidemment. On va accélérer un petit peu le mouvement. Non apparemment il a pas...
de l'esquiver. Alors ce circuit est pas mal, mais je trouve qu'il manque un tout petit peu de folie. Alors peut-être avec des voitures plus rapides après, bon, ça sera bon. Mais je sais pas, je trouve que bon, c'est un circuit sympa, hein, bien sûr, mais je sais pas. Par exemple, quand je vois par exemple le lit, je me dis on aurait pu monter sur le lit. Mais non, mais je suis trop bête. On monte sur le lit puis seconde parce que là on est sur le bureau. Non, non, mais j'ai rien dit. Encore une fois, on est trop vite. Et même avec le, voilà, par contre, regardez, même avec le boost, je n'arrive pas à récupérer les items qui sont en haut. Donc potentiellement à récupérer en sens inverse si le jeu propose un... Je vais garder le bonus de vitesse. Franchement, je trouve que c'est toujours le mieux. Parce que pour l'instant, on n'a pas trop besoin des autres. Alors le train, si vous êtes des fans de train, j'imagine que c'est un vrai modèle. Enfin, c'est cassé une cabine, hein, mais... Je sais que les Japonais, par exemple, aiment beaucoup les trains. D'ailleurs, si vous allez au Japon, vous verrez les rayons consacrés au chemin de fer, au train, ou même aux voitures, aux petites voitures en miniature, etc. Les Minica, Tomica surtout, pardon. Il y en a partout, c'est vraiment une institution là-bas, le train. Et donc je pense que le modèle doit exister. Moi, je mettrais ma main coupée que ce modèle-là, monté sur le côté de train, existe vraiment. Allez, un petit boost pour la fin. On va cumuler avec un autre boost. Ah bah non, je vais pas pouvoir le prendre, c'est mort. Bon voilà, bah écoutez, on a gagné celle-là, c'est parfait. Alors finalement, je suis un peu bête, j'aurais peut-être dû faire le championnat directement, on aurait déjà vu les 6 courses d'un coup. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va gagner pas mal d'argent, donc on va pouvoir améliorer encore un peu. Donc on va passer à nouveau le replay. Voilà, 4500, ça commence à être intéressant. Ah, alors ce circuit me parle beaucoup moins, à moins que ce soit le... Ah mais non, non, c'est le... Pardon, c'est le circuit de l'école, voilà, c'est dans le... On l'a fait tout à l'heure. Ah, je veux dire, il n'y a pas de musique. Ça. Mais je vois pas l'intérêt. Ça, je vois pas du tout l'intérêt de ce... cet item. Enfin, en tout cas, tant qu'on est... Quand on est devant, ça sert à rien de le prendre. Ah, je suis parti un petit peu en... avec eux. Je sais que je ne vous ai pas montré le jeu Shoroku sur Saturn. Parce que c'est juste le jeu qui existait déjà depuis longtemps. Hein. En tout cas, les consoles 32 bits avaient déjà ce genre de jeu. C'est des jeux qui étaient réservés au marché japonais. Hein. Il n'y a pas beaucoup de jeux. C'est un petit peu internationalisé avec les 128 bits. Mais avant, c'était vraiment. Voilà, c'était que les. Il fallait avoir une console japonaise pour pouvoir jouer à ce genre de jeu. Et je ne parle pas des parties des consoles 16 bits qui n'avaient tout simplement pas ce genre de choses. On va pouvoir mettre des petites tâches ici. Bon, je récupère ça, ça sert à rien, mais je le récupère quand même. La musique, c'est marrant, j'ai pensé à la musique de Noël. J'ai pas du tout pensé à une musique de... une musique de collège, hein, mais vraiment une musique... En tout cas, j'ai hâte de découvrir les prochains circuits, quand même. Qu'on va bientôt avoir, je pense. On va voir ce que l'on débloque. Puis on se laissera là-dessus, hein, tout simplement, ça fera bien une heure. En tout cas, si vous voulez jouer à ce jeu, bah, vous aurez compris, hein. C'est vrai que je suis un petit peu conquis déjà à l'avance, mais des fois je suis tombé sur des jeux un petit peu moins bons.
Ce jeu est pas mal, après voilà, il manque un petit peu de difficulté. Enfin, on avait Road Trip Adventure, c'était quand même un peu plus difficile, là ça m'a quand même assez simplifié. C'est vraiment la principale chose que je vais regretter, en tout cas si vous êtes. Ah, si vous avez passé le stade de l'adolescence, quoi, hein, c'est un petit peu facile. Donc là on va faire hop, et on va passer à la suite, du coup on a 7000. Pour l'instant tant que je galère pas, je ne vais pas améliorer, on va garder les sous pour nous. Ah ben voilà, autoroute gadget, on n'avait pas fait ce circuit, c'est parfait. Et on est dans le bah, dans la nuit, plein phare. Et en plus j'ai de la chance, je pars premier, puisque je suis premier du championnat. Alors là par contre je pense qu'il va falloir utiliser le boost au maximum. Donc on va le garder au bon moment. Oh, par contre là, l'autoroute elle part en mode... Qu'est-ce qui se passe là? On est où là? Voilà, on va utiliser pour prendre le maximum. On est à 217 km/h, ça commence à être pas mal. Enfin, miles par heure, pardon. Oui, enfin, si on multiplie par 2, c'est quand même énorme, hein, si vous êtes sur 6. C'est-à-dire qu'en gros, vous rajoutez à peu près... peu plus de la moitié, donc vous rajoutez 100, 110, 120 km/h, je me suis loupé. 110, 120 km/h, ce qui fait qu'à 200, on est à 320 en fait. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai même pas réussi à passer avec le boost. Alors la Testarossa, elle a un truc devant elle, je sais pas à quoi ça sert. On va prendre l'aspiration. Non, je doute que l'aspiration marche quand même. Là, il va m'envoyer quelque chose. Hein. Je pense que je vais le prendre dans la tronche. Enfin, peut-être pas après, mais. Ah non, mais il l'a plus. Il l'a plus. Un petit virage en vitesse. Voilà, par exemple, je vais galérer un petit peu plus. Effectivement, dans la course, on n'a peut-être pas le niveau au niveau de la voiture. Mais tant mieux. Si le jeu est trop facile, ça n'a pas d'intérêt. Je me prends tous les murs. La Testarossa va être compliquée. La Testarossa va être compliquée. Mais je trouve un item pour la ralentir. Et encore une fois, je fais la même bêtise. Voilà, dire qu'il glisse à mort. Pourquoi moi je passe pas? C'est quoi ce délire? Oh, je suis. Oh! Alors là, par contre. Non, c'est bon, j'ai eu peur. J'ai cru que j'étais repassé devant la Testarossa, c'est-à-dire qu'en gros j'avais gratté du temps. Bon, la Testarossa, ça va être difficile. Je pense que je vais pas pouvoir gagner. Je vais quand même essayer un minimum de pas terminer 3ème. Eh, quoique je la rattrape un peu. Je ne peut-être pas perdu. Je vais éviter de me reprendre la flaque d'huile que je me prends à chaque fois, parce qu'à chaque fois je perds du temps. Et il revient sur moi, il a l'air rapide le bougre. Ah, Testarossa est vraiment un cran au-dessus. Non. C'est bon. Ah oui, la barrière en fait, voilà, il y a trois items, ça me permet de rien me prendre dans la tronche. Bon, ça je vais le laisser faire normal. Et c'est pourquoi je passe pas? Pourquoi je passe pas? C'est incroyable. En fait, je pense que j'ai pas une voiture assez rapide pour pouvoir passer cet endroit. C'est incroyable. Pourquoi, comment ils ont pu faire ça? Allez, le boost au dernier moment. On prend la deuxième place, peut-être. Non. Et on finit troisième. Et ben voilà. On a notre pic de difficulté atteint. Enfin, en tout cas, on est remonté un petit peu sur le point de difficulté. Du coup, je suis fini troisième. Mais c'est pas trop grave. Au niveau du championnat, on est quand même bien devant. Par contre, je pense peut-être que pour la petite course suivante, on va améliorer légèrement notre auto, parce que là regardez, 43-34. Alors je pense qu'on est déjà champion, parce que même s'il marque... Eh non, il va marquer 10 points. Point acquis 3. Ah oui, c'est 3 points. C'est 10, 6, 3, 2, 1. C'est encore plus... C'est pire en fait que prévu. Alors là ça va être le village argent. Ok, village argent. On va aller au magasin quand même. Voir si je peux pas améliorer quelques trucs. Les transmissions, j'ai rien débloqué. Frein mou. Ah, les freins mou, ça augmente le maniement. Ben voilà, on va acheter des freins mou.
Je vois pas le rapport, mais ça m'y en... Mais non, je suis bête, ça m'y en le frein. Quoi. Voilà, mais le frein, le problème, c'est que j'utilise même pas. Donc en fait, ça sert à rien. On a une carabine aussi, pour 2000. Bah écoutez, on va l'acheter pour histoire d'avoir un petit peu de fun. Peut-être que ça peut être sympa. Voilà, c'est une carabine, on va faire retour. Mais je crois qu'on n'a pas utilisé d'armes, donc en fait, ça sert à rien. C'est pas grave, on va faire la... La course, et là on aura droit à la neige. Petit bruit du vent. Et un meilleur départ. Alors j'ai meilleure accélération que Testarossa, donc ça devrait nous aider. Alors oui, alors là par contre, voilà. Là je pense qu'on va arriver à... Alors, il m'a mis un gros vent. Là le truc qui va se passer, c'est que ben, on a des pneus qui sont pas faits pour la neige. Donc au niveau du maniement, ben, déjà je le ressens, c'est pas super bon. C'est pas trop ça, et là je galère complet. Alors je vais essayer quand même de finir dans les points, ça serait dommage de perdre le championnat au dernier moment. Et là c'est gros coup de stress, hein. Moi je vous le dis, parce que si on perd le championnat à la dernière course, juste parce qu'on a fini... Alors faut absolument que je finisse dans les 3 premiers si je veux... Si je veux, bah en gros être champion. Un peu mon tour est terminé. Si je finis au-delà de la troisième place, c'est terminé. Hein, le... je crois aussi, je peux encore terminer quatrième, mais pas plus. Regardez comment ça glisse. Là, j'ai aucun grip. C'est là où j'aurais dû. En fait, j'aurais dû acheter des pneus. Mais effectivement, j'ai pas trop regardé le circuit qu'on allait faire. Je n'ai aucune vitesse aussi sur ce circuit. Et voilà, j'ai même loupé l'accélérateur. Et lui, il a pris. Donc là, du coup, on est quatrième. Aïe, 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 ça se complique là pour le titre. Ça se complique. On va quand même essayer de se défendre contre celle-là. Oh non, je me suis trompé vite. Comment on va marcher arrière? Et voilà, je vais tout perdre au dernier moment, vous l'aurez compris. C'est souvent ce qui m'arrive. J'ai même pas pris d'item. Bon, tout n'est pas perdu, on va quand même essayer de revenir. Ah, oh, ça serait trop dommage de perdre au dernier circuit quand même. Ah, je vous avoue, je suis quand même assez dégoûté. En plus, je me fais rattraper par tout le monde, hein. Toutes les voitures sont plus rapides que moi. Alors, 5ème, il y a encore un point, mais comme la Testarossa est en tête, ben, vous l'aurez compris, je ne pourrais pas. Aïe, je ne pourrais pas gagner. Allez, c'est le tour final. Ah, elle m'a carrément dépassé, quoi. C'est Aston Martin, ça. Non, j'ai pas vu. Ah, je suis 6ème. Donc là, on est hors des points. On est hors des points. Allez, le petit boost. Ah, mais ils le prennent tous, en fait, le boost. C'est ça, le problème. Allez, on va le chercher. On va aller chercher la... Ouais, je sais pas ce que c'est comme voiture. Allez! La batterie, j'ai pas pu la prendre. Je pourrais pas me défendre. Oh, il est vraiment plus rapide que moi, regardez. Je peux rien faire, quoi. Et du coup, on va peut-être terminer l'avant-dernier. Enfin, 6ème. Allez, allez, je le touche, on y va. Oh non! Et voilà, et dans le dernier tour, on finit même pas dans les points. 0 points, 0 points, et voilà comment on perd le championnat. Ah, je suis dégoûté, normalement, voilà, bah, c'est terminé. On termine dès avant deuxième, on termine, pour un petit point, et c'est la Testarossa qui gagne. Imaginez, j'aurais gagné ce point à deux virages de la fin, on était ex aequo. Et voilà, et du coup, bah, c'est terminé normalement. Félicitations quand même, merci. On termine deuxième. Mais bon, est-ce que c'est suffisant pour débloquer? Est-ce qu'on gagne quelque chose? On gagne rien? Je ne sais pas. Donc là, on a droit à un petit replay. On va faire quitter, on va faire start. Ah, on a droit à un petit générique de fin quand même.
Alors c'est marrant parce qu'on il nous montre quand même le replay. Le replay des anciennes courses. Voilà, la première course qu'on a faite avec une voiture, ben on a droit à notre véhicule dans le replay. Donc on a évidemment le. Les producteurs, c'est les crédits. On va faire start, hein, on va quand même voir ce qu'on a donné. Alors, est-ce qu'on a quand même débloqué quelque chose? C'est la grande question. Ou est-ce qu'il faut absolument. Eh ben on a quand même débloqué la coupe d'argent, donc c'est quand même cool, on a débloqué des trucs. Ce que j'ai envie de voir, c'est si dans les moteurs et dans la gadget on a débloqué des choses. J'ai l'impression que oui. Je vois le bouton nouveau. Alors carrosserie peut-être pas. Pneus. Voilà, celle-là j'aurais dû faire, c'est les pneus neige. Mais je peux pas les acheter. Par contre, je peux acheter des pneus hors route. Ça aurait dû me permettre d'être un petit peu plus rapide. Le moteur, ok. Magnum, on a vu. Encore amélioré. Non, non, j'ai déjà acheté le moteur, donc ça sert à rien. Les freins, rien de plus. Peut-être qu'on a des pièces de carrosserie en plus, j'ai pas l'impression. Planche de surf. Les armes, on n'a rien. Et oui, la carabine, je ne l'ai pas eue. Je suis pas tombé sur le bon item, peut-être, mais j'ai pas pu l'utiliser. Bon. Voir résultat. Garage, on est déjà en garage, personnalisé. On n'aura rien d'autre à faire. Changer de nom. On peut changer de nom aussi, j'en ai pas trop parlé, mais regardez. Voilà. Si je veux, je peux changer. Je sais pas comment on fait pour revenir en arrière du coup. Bah oui, effacer. Je veux être autre nom, mais bon, potentiellement on aurait dû mettre le nom de la voiture. Remettre fin. Voilà. Voilà notre voiture. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. On va s'arrêter là-dessus. Donc c'était Gadget Racer sur GameCube, un jeu que je conseille bah plutôt, hein. Franchement c'est plutôt un jeu sympa. Vous avez vu à la fin quand même, hein, le coup de la difficulté, on a fait des mauvais choix et on s'est retrouvé à perdre le championnat. Donc voilà, un très bon jeu que je recommande. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!